Mesdames et messieurs, les membres du jury. Madame et messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous tenons à remercier tous ceux qui sont venus. Nous tenons à remercier tous nos partenaires et aussi les candidats qui n'ont pas démérité parce qu'ils ont été vraiment formidables. Ça a été très serré, mais on a dû faire un choix. Et je vais donner le trio de Mister Africa, Mister Togo International, pardon, de l'année 2021. Le premier candidat, le deuxième dauphin, c'est le candidat numéro 6, Monsieur Vignon. Le candidat numéro 6, qui est le deuxième dauphin. Le deuxième dauphin reçoit donc un bon de 150 000 francs CFA, un lot offert par la parfumerie en ville et par Africube, ainsi qu'un trophée de reconnaissance et de participation à cette édition. Des applaudissements, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, on pourrait avoir les deux candidats, s'il vous plaît. Les deux derniers candidats. On pourrait avoir Gabin. Irénée, pardon, et Joris. Irénée et Joris sur le plateau, mesdames et messieurs. Beaucoup de courage, messieurs. Alors, nous allons annoncer le Mister Togo International 2021. Madame, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Mister Togo International 2021. Et non, pourquoi pause? De l'engouement du suspense. Le meilleur gagne. Est-ce que vous êtes prêts? Faut pas pleurer. Est-ce que vous êtes prêts? And the Mister Togo International is Irénée. Ça n'a pas été facile. Mes premières impressions, c'est l'émotion. Comme je l'ai dit au début, c'est un mélange d'émotions, mais je suis en même temps reconnaissant pour ceux qui m'ont soutenu depuis le début. La soirée était très bonne, j'ai apprécié. Ça a été une bonne soirée, on a passé de bons moments accompagnés de nos candidats. La compétition a duré plus de 9 mois, c'est toute une aventure. Il y a eu le coaching en danse, en anglais, en mannequinat, la façon de marcher et tout. J'ai demandé beaucoup d'aide à des grands frères, à des proches, à des amis qui m'ont aidé dans la rédaction et tout. Donc il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont rentrées. Voilà ce que ça a donné. Dieu merci.